Cette phrase, elle a été complètement mal comprise, mais à un nombre incalculable de fois. Quand quelqu'un dit ou entend « Ah, je vis par la foi !» En fait, ils pensent, nous pensons souvent que ça veut dire « Vends ta maison, sell your car, vends ta voiture, and travel like we do. Voyage comme on le fait. » These people say, that is living by faith. Et là, ces gens disent, oui, c'est ça, vivre par la foi. I will say, no, et ben moi, je vais dire, non, pas du tout. That's wrong. Ça, c'est faux. In a box in this si on met ça dans une boîte de cette manière-là, because the Bible says, parce qu'en fait, la Bible dit, the righteous le juste devra vivre, vivra par la foi. You are righteous. Vous êtes des justes. I'm righteous. Je suis un juste. Living by faith starts in the moment you got born again. Vivre par la foi, ça commence au moment où tu nais de nouveau. Dieu veut que chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment mettre toute notre confiance en lui. Et que nous le mettions lui véritablement premier, au-dessus et devant toute autre chose. Il veut vraiment être numéro un dans notre vie. Jésus veut être le premier, le numéro un dans nos vies. Ça veut dire simplement croire, mettre sa confiance en lui dans les choses de ton quotidien, de ta vie de tous les jours. Et ça veut même dire croire en lui alors que tu as une maison. S'il te dit de garder ta maison, tu la gardes. Because I tell you the truth. Parce que je vais vous dire la vérité, I do not believe. Je ne crois pas que tout le monde est appelé à vendre sa maison, vendre sa voiture et whoop, prendre l'avion. Non, je ne crois absolument pas ça. Mais chacun d'entre nous est appelé et il lui est demandé de vivre par la foi. Vous vivez par la foi. Even though you have a car, même si tu as une voiture, even though you have a house, même si tu as une maison, even though you have a job, même si tu as un travail, because parce you que you put God first. Tu mets d'abord Dieu en premier. And whatever he tells you et to do, quoi que ce soit que lui te demande de faire, you trust in him. Tu mets ta confiance en lui. So
guys, we just had an amazing time here where we had a TLR connection day here where we just gathered around 80 disciples, and it's just so amazing to see what God is really doing here in France. And therefore, I just want to encourage all of you guys, come on, let's continue preach the gospel. Let's continue to make disciples, to bring the kingdom of God out there, because the harvest is so plentiful and ripe, but the workers are few here in France. So I really encourage you guys, let's continue to share the gospel and to lead people to Christ. God bless you.